Congolaises et Congolais, mes très chers compatriotes, le 3 mai 2021, face aux menaces graves pesant sur l'intégrité de notre territoire et à l'insécurité récurrente vécue par nos populations de l'Est du pays depuis 3 décennies, je proclamais l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. En effet, conformément à mes prérogatives consacrées par les articles 69, 85, 144 et 145 de la Constitution, je recourais à ce dispositif exceptionnel de gouvernance afin de répondre de la manière la plus appropriée et la plus adaptée à cette situation, en ce particulièrement dans la nature des actions à entreprendre dans ces zones opérationnelles où les ennemis de la paix devaient de toute urgence être affrontés et l'autorité de l'État restaurée. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Il demeurait limpide que la mise en œuvre de ce dispositif s'accompagnerait d'un régime restrictif des libertés publiques, non sans incidence sur le mode de vie habituel de nos populations, immédiatement sensibilisées à consentir à d'importants sacrifices en guise de soutien patriotique à cette lutte pour la survie de notre nation. C'est pourquoi, 2 années et 4 mois après l'entrée en vigueur de ce régime d'exception aux conséquences tout aussi exceptionnelles sur le quotidien des populations sur terrain, et à la suite de plusieurs rencontres avec des sénateurs, des députés nationaux et les députés issus des 2 provinces, ainsi que des rapports de mission d'évaluation effectués par le Premier ministre, j'apercevais clairement le besoin d'une réflexion approfondie impliquant tous les acteurs concernés sur la question en vue d'obtenir les recommandations les mieux indiquées au sujet de la situation juridico-politique rencontrée dans ces 2 provinces. Cette réflexion devait toutefois avoir lieu tout en veillant à préserver les avancées significatives socio-économiques, politiques et sécuritaires acquises par la gouvernance militaire de l'état de siège. Face à la prolongation de cette situation exceptionnelle et soucieux de prendre en compte les aspirations profondes du plus grand nombre de forces vives de la partie est de notre pays, j'ai donc instruit le Premier ministre d'organiser et de convoquer une table ronde politique sur l'évaluation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, organisée du 14 au 16 août 2023 à Kinshasa. Cette table ronde que j'ai voulu inclusive a connu, en plus de la participation des élus nationaux et provinciaux issus des provinces concernées, des délégués des institutions nationales, la participation active des forces vives d'autres provinces de la République, ce qui témoigne de l'élan de la solidarité affichée par les Congolaises et Congolais de tous bords derrière cette cause nationale. Mes très chers compatriotes, mus d'un sens élevé de patriotisme et de responsabilité, les différents participants ont travaillé d'arrache-pied durant les 3 journées allouées à cette table ronde pour proposer une option concertée en vue de pacifier définitivement les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, et ce, au regard de l'évolution du contexte sécuritaire, politique, économique et social. C'est ici le lieu de saluer l'engagement et le dévouement de tous les participants qui ont abattu un travail de qualité pour la cause nationale, afin que les conclusions permettent aux institutions de donner une orientation nouvelle à cette mesure exceptionnelle. Mes très chers compatriotes, en ma qualité de garant du fonctionnement régulier des institutions de la République et de la continuité de l'État, j'ai examiné en toute responsabilité l'ensemble des recommandations formulées dans les 3 commissions de la table ronde. Après avoir échangé avec les responsables des institutions de l'État et entendu le Conseil supérieur de la Défense, j'ai pris la ferme résolution de conduire, sans atermoiement funeste, mais sans précipitation inconsidérée non plus, les populations des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu vers un allègement progressif et graduel du régime de restriction de l'état de siège avec les meilleures garanties de poursuite
du maintien d'une pression maximale sur les ennemis de la paix. C'est pourquoi, prenant la juste mesure de l'impérieuse nécessité d'un retour sécurisé de nos populations à une vie civile et citoyenne normale d'une part, et des avancées enregistrées au cours de la gouvernance sous l'état de siège d'autre part, notamment l'amélioration de la situation sécuritaire dans certaines zones des deux provinces concernées, j'ai opté, en toute responsabilité, pour la mise en œuvre d'un dispositif transitoire graduel au terme duquel cette situation exceptionnelle devra connaître sa fin. S'inspirant des tendances dégagées des travaux de la table ronde, ce dispositif transitoire consistera au rétablissement de l'autorité civile dans les entités territoriales décentralisées et déconcentrées qui sont déjà sécurisées et sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce qui implique la levée des restrictions des libertés constitutionnelles de tous les citoyens et plus particulièrement la libre circulation des personnes et de leurs biens en mettant fin au couvre-feu, la liberté d'association, de manifestation pacifique et de réunion dans le strict respect des conditions légales. Ceci est d'autant plus important que les différents acteurs engagés au processus électoral ont droit à y participer pleinement et sans entrave aucune. Dans le même ordre d'idées, j'engage le gouvernement central à régler sans délai les arriérés d'émolument des animateurs des institutions provinciales mis en veilleuse par l'état de siège, tel que cela leur est garanti par l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesures d'application de l'état de siège. Il va sans dire qu'en plus de leurs compétences matérielles, les juridictions civiles, du reste compétentes pour gérer les contentieux électoraux, recouvrent le plein exercice de leurs compétences répressives, à l'exception de quelques préventions liées à la sûreté nationale qui relèveront, elles, des juridictions militaires. Mes très chers compatriotes, après l'état d'urgence sanitaire, les mesures de ce dispositif transitoire et graduel de l'état de siège nous conduisent dans une nouvelle expérience constitutionnelle de gestion des situations d'exception. Elle marque notre détermination à défendre jusqu'à la dernière énergie notre intégrité territoriale, notre souveraineté et notre dignité comme peuple. En effet, nous sommes un peuple qui a su démontrer, tout au long de son histoire, une capacité de résilience hors du commun face à l'adversité pour défendre les idéaux de paix, de justice, de dignité et d'unité. J'invite la population des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu à accompagner et à soutenir les autorités civiles et militaires dans l'accomplissement des mesures de ce nouveau dispositif en vue de garantir l'avènement d'une paix durable sur toute l'étendue de notre pays. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.
sans nouvelle, la tradition a été respectée au gouvernement. Comme chaque vendredi, les membres de l'exécutif national se sont retrouvés en présentiel autour du président de la République à la Cité de l'Union africaine pour la 115e réunion du Conseil des ministres. Plusieurs questions d'intérêt national ont été passées au peigne fin ce vendredi 13 octobre 2023. Le compte rendu tout à l'heure après ce journal avec le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya. En image, la Chambre basse du Parlement vient d'adopter à l'unanimité le projet de loi portant reddition de comptes exercice 2022. L'Assemblée nationale a transmis ce projet à la Chambre sœur pour seconde lecture. Sylvie Moembo, Bernard Baudot et Guy Kitoko. La plénière du jeudi 12 octobre 2023 a été consacrée à l'examen et au vote du rapport de la Commission économique, financière et de contrôle budgétaire sur le projet de loi portant reddition des comptes de la loi des finances du pouvoir central numéro 21/029 du 31 décembre 2021 pour l'exercice 2022. Après avoir approuvé les conclusions du rapport de la Commission moyennant observation de la Cour des comptes qui n'a pas donné des indications claires en ce qui concerne l'année annuelle des comptes. À l'issue de l'appel nominal, l'Assemblée plénière, sous la conduite du président Christophe Mboso Kodiapuanga, 374 députés nationaux ont voté oui sur 375 présents dans la salle, un député a voté non, aucune abstention. Le projet de loi portant reddition des comptes exercice 2022 a été adopté et transmis au Sénat pour une seconde lecture. Un conseil consultatif de la SADC vient d'envoyer une mission d'évaluation préélectorale à Kinshasa. Cette délégation, conduite par la première vice-présidente de la SADC, a échangé hier avec le premier vice-président de la CENI, Bienvenue Ilanga. Les échéances électorales étaient au cœur de ces entrevues. Titi Samba. Cette mission consiste prioritairement à évaluer si l'environnement politique et sécuritaire du pays est propice à la tenue des élections libres, équitables, transparentes, crédibles et pacifiques, conformément aux principes et lignes directrices révisées de la Communauté de développement de l'Afrique australe, dont la République démocratique du Congo est membre. Elle permet également de jauger le cadre légal et constitutionnel régissant les élections présidentielles, législatives et des conseillers communaux du 20 décembre 2023. La délégation conduite par Mme Notema Tipwadia, vice-présidente de la SADC, représentant la Namibie, est composée de Jennifer Suzanne Chiriga, déléguée du Zimbabwe, et de quelques fonctionnaires du secrétariat de cette institution. À l'issue de ces échanges, Mme Notema Tipwadia s'explique. Nous évaluons également le cadre juridique de l'État membre en nous plongeant particulièrement dans la loi électorale, afin de savoir s'il y a eu des réformes qui sont liées au processus électoral. Et enfin, nous considérons l'état de préparation de l'organe chargé, bien évidemment, de gouverner les élections, et dans ce cas, il s'agit de la CENI, et nous voulons savoir à quelle enseigne est-ce qu'ils sont prêts pour organiser les élections. Pour cette réunion, nous étions particulièrement préoccupés sur l'état de préparation de la CENI. Cette mission s'inscrit dans la continuité des actions menées dans le cadre de la consolidation de la paix ainsi que du renforcement de la démocratie et du système électoral dans la partie australe du continent africain. Kinshasa accueille depuis hier la 8e session de la Grande Commission mixte RDC-Ouganda. Les travaux ont été tout naturellement lancés par le ministre de l'Intégration régionale Antipas Mboussa Nyamwisi en présence de la délégation ougandaise, des membres du gouvernement, des différentes personnalités politiques, administratives et militaires. Rodé Panda. Reportée à plusieurs reprises, la 8e session de la Grande Commission mixte qui se tient de manière cyclique 5 ans après entre la RDC et la République de l'Ouganda a finalement été ouverte à Kinshasa ce jeudi 12 octobre 2023 en présence de différentes délégations et personnalités politico-administratives. Une minute de silence a été observée au début de la cérémonie en mémoire des victimes causées par la guerre. Cette 8e session aligne 4 sous-commissions, à savoir la sous-commission politique, diplomatique et gouvernance, la sous-commission économie, finances et infrastructures, la sous-commission socioculturelle, pour terminer avec la sous-commission défense et sécurité.
Le ministre d'État de l'intégration régionale, Mboussania Mouissi, qui préside la cérémonie d'ouverture, a, au nom de deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi et Yoweri Museveni, salué spécialement la présence de la délégation ougandaise, tout en remerciant les experts des deux pays. Des solutions aux problèmes communs sont attendues à l'issue de ces assises. L'heure n'est pas plus au discours, mais aux actes de nos deux chefs d'État. Leurs excellences Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Yoweri Kaguta Museveni veulent résolument que nous puissions élaborer des solutions aux problèmes communs de nos deux peuples. La libre circulation rendue difficile par les frontières coloniales devrait être restaurée par une suppression des paiements de droits d'entrée et par la construction de facilités routières pour une communication rapide. Les échanges commerciaux rendus difficiles par des barrières tarifaires et non tarifaires devraient être rétablis. Nos frontières devraient désormais être des lieux de recherche de solutions à nos problèmes sécuritaires communs. Le ministre d'État de l'intégration régionale a souligné que les frontières ne doivent plus être des barrières, mais des portes. Et l'Angola, le Botswana, le Lesotho et la République démocratique du Congo, ces quatre pays membres du comité exécutif de l'Association des régulateurs de l'Afrique australe ont tenu à Kinshasa la 37e session ordinaire. Ces travaux ont permis à ces pays précités de passer en revue les réalisations de l'association et de jeter les bases pour un avenir meilleur. Guy Matundu et Keren Kakolongo. Les régulateurs d'Afrique australe ont visualisé les différentes réalisations du plan d'action ainsi que les projets et ont tenté de trouver les voies et moyens devant améliorer toutes ces réalisations. Le directeur de relations internationales de l'autorité des régulations de la RDC, Bruno Yuma, parle des objectifs de cette session. Ce comité exécutif s'est réuni tout au long de l'année pour pouvoir évaluer l'exécution du plan d'action qui a été voté et qui est mise en œuvre par les secrétaires exécutifs. Donc, nous sommes aujourd'hui ici à Kinshasa, à la 37e réunion ordinaire du comité exécutif. Donc, ce sont ces quatre pays qui se réunissent. Ils reçoivent donc le secrétariat exécutif, qui est l'organe de la mise en œuvre de décisions prises par l'Assemblée générale. Donc, c'est l'organe technique du comité exécutif. Et donc, ils viennent présenter le rapport à mi-chemin de l'exécution du plan opérationnel qui a été adopté. Il est question de passer en revue les différentes réalisations du plan d'action, les différents projets qui ont été adoptés, les niveaux, les risques qui guettent donc la réalisation de tous ces projets et trouver donc le voies et moyens pour pouvoir escamoter ces risques et atteindre donc les objectifs. Il est aussi question de nous présenter la situation exacte par rapport aux ressources qu'il faut pour pouvoir atteindre ces objectifs. La session de Kinshasa réunit les quatre pays membres du comité exécutif, à savoir la RDC, le Botswana, l'Angola, le Lesotho, ainsi que le secrétaire exécutif du CRASA, l'association des régulateurs de pays d'Afrique australe. Avec les 80 millions d'hectares de terres arables que possède la République démocratique du Congo, comment faire de l'agriculture le socle du développement de l'économie nationale? Eh bien, le ministre de l'Agriculture et celui du Développement rural ont ouvert ce matin à l'attention des inspecteurs provinciaux, des administrateurs du territoire de toute la République, ministres provinciaux, un séminaire de renforcement de capacité de l'agenda de transformation agricole. Le détail avec Marie Kalanga. Les ministres et inspecteurs provinciaux de toute la République et ont en charge l'agriculture sont à Kinshasa pour un séminaire de formation et renforcement des capacités sur la production agricole. Et ce, à travers l'agenda de transformation agricole ATA, un programme initié par le président de la République en 2021 en vue de faire de l'agriculture le leitmotiv du développement de l'économie de la RDC. C'est le ministre national de l'Agriculture, Maître José Mpanda Kabangu, qui a ouvert ce séminaire tout en précisant la vision de son ministère, celui de voir l'agriculture s'exécuter désormais comme une entreprise en lieu et place des projets et programmes de développement. En effet, le séminaire permettra à vous tous à avoir une formation solide, une formation convergente qui permettra à notre gouvernement de réaliser l'une de ses missions régaliennes qui consiste à assurer une gestion efficiente
de ces potentialités agricoles afin de les transformer en richesse. On ne mange pas les potentiels. On doit transformer les potentiels en richesse. Les participants ont suivi différents modules devant soutenir l'approche de transformation agricole. L'agriculture étant un ministère transversal, le ministre Mpanda a associé ses collègues de l'industrie et du développement rural à ce séminaire de formation. Une idée saluée par les participants. Nous cultivons une fois pour avoir cultivé. Nos récoltes, on les fait comment ? Commençons maintenant à réfléchir sur la phase de la transformation de nos produits agricoles. C'est pourquoi même le ministre de l'Industrie a été associé et nous a présenté une bonne communication par rapport à tout ce qui est prévu à son ministère. Il y a des parcs agro-industriels, des zones économiques spéciales qui sont en train d'être montées à travers les différentes provinces de la RDC. Et chaque zone, chaque province a sa spécificité par rapport à sa zone économique qui sera montée. D'abord, il y a eu la satisfaction des autres ministres sectoriels qui étaient associés par leurs collègues de l'agriculture, parce que l'agriculture ne doit pas cheminer seule. La volonté est là, à partir du chef de l'État, dans son excellence, monsieur le ministre José Mpanda. Mais ce qui reste, c'est maintenant le moyen. Il faut qu'on mette le moyen à notre disposition. Donc c'est ça la grande difficulté, parce qu'au gros mot, gros remède. A noter que le gouvernement a préparé un plan de relance des principales filières agricoles pour améliorer les revenus des ménages et réduire les importations des produits vivriers de base estimés à hauteur de 3 milliards de dollars américains. Bientôt, une usine pour produire le cuivre et le cobalt va sortir de sol dans la province de Lualaba. La société minière Comidé, située dans cette partie du pays, a procédé à la cérémonie du lancement des travaux de construction de cette usine devant les autorités politico-coutumières. C'est un reportage de la RTNC Colwesi. C'est une ambiance hors du commun qui a vécu à la société minière Comidé, filiale du groupe ERG Africa, le jeudi 12 octobre 2023. Autorités politico-coutumières y ont pris part pour assister à la cérémonie de lancement des travaux de construction de l'usine de production de cuivre et de cobalt, dont le projet a présenté un succès incomparable. Tout d'abord, le mot de circonstance du directeur général de Comidé, Alan Latoud. C'est un moment impressionnant, un grand moment pour nous et pour le groupe ERG, car nous entamons un chapitre de croissance et d'innovation. Je voudrais remercier aussi de manière spéciale les Baloboué des 16 communautés qui nous entourent. Baloboué, ça c'est un projet qui va avoir de l'impact pour les 20 prochaines années. Pour Joachim Zouzi, directeur de cabinet de ERG Africa, la construction de cette usine aura un impact dans l'employabilité des personnes des communautés locales. Nous sommes ravis de pouvoir la phase de construction de cette usine. Comidé fournira environ 1200 et 1500 emplois directs et indirects à des ressortissants congolais. Et ces congolais seront principalement recrutés dans la communauté environnante et verra ainsi que les membres de notre communauté soient les premiers bénéficiaires des activités de Comidé. La cérémonie proprement dite a enfin eu lieu avec le premier coup de pioche exécuté par les invités et les responsables de cette société minière. Signalons que la construction de cette usine impliquera naturellement le déboisement. Voilà pourquoi Comidé SARL a songé au reboisement avec plusieurs plantules, question de préserver l'environnement. Et ce communiqué dans le cadre de la maximisation des recettes publiques, le cadastre minier, conformément aux prescrits des alinéas 1 et 2 de l'article 287 du Code minier, avait par son communiqué du 21 juin 2023 constaté des cas de non-paiement des droits superficiels par carré pour l'exercice 2023. À ce titre, il rappelle aux titulaires des droits miniers concernés que la période de présentation de moyens de défense est à ce jour fort clos. Par conséquent, le paiement des droits superficiels par carré étant une des obligations du maintien de la validité du droit minier, les titulaires défaillants s'exposent à la déchéance de leur titre. Pour consulter la liste des titulaires concernés par ce présent communiqué, veuillez vous rendre au siège du CAMI à Kinshasa, situé sur le croisement des avenues Kassavubu et Mpolo, non loin de l'hôtel de ville, au niveau des cadastres miniers provinciaux à Lubumbashi, Kisangani, Kindu et Bukavu. La liste est également
disponible sur tous les réseaux sociaux du cadastre minier et sur le site web www.kemi.cd. Le Kemi porte également à la connaissance de toutes les personnes physiques ayant autrefois détenu ou détenant encore des droits miniers et ou des carrières en dépit du rappel consécutif à la révision du code et règlement minier de 2018 lancé par le Kemi, que ce dernier va procéder à la radiation sur les cartes des retombées minières. Et dans son registre, ce communiqué est signé Mabiola et Yenga Popol, directeur général. En image, nous vous l'avons dit en titre, Deo Gracias Mutombo Mwananyembo était ce jeudi devant la Chambre de discipline budgétaire et financière de la Cour de comptes. L'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo a répondu présent à l'invitation lui lancée par cette institution supérieure de contrôle pour des présumées fautes des gestions qui lui seraient reprochées pendant son mandat à la tête de la Banque centrale du Congo. Anastasie Doumbou. Répondant à l'invitation du magistrat instructeur suite aux poursuites engagées contre lui devant la Chambre de discipline budgétaire et financière de la Cour des comptes pour des présumées fautes de gestion, l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo s'est présenté au siège de cette institution supérieure de contrôle. Deo Gracias Mutombo Mwananyembo est venu apporter des éclaircissements sur des griefs formulés contre lui relativement à sa gestion à la tête de la Banque centrale du Congo. En marge de cette audition, le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga-Ngwaka, a reçu l'ancien gouverneur et lui a rappelé la mission de la Cour des comptes avant d'être auditionné par le magistrat instructeur objet de sa visite. Le premier président a par la suite présidé une séance de travail avec une délégation de la Banque mondiale dans le cadre du forum de gestion financière organisé par cette institution. Pour la Banque mondiale, il s'agit non seulement d'appuyer techniquement la Cour des comptes, mais aussi de l'emmener à porter un regard particulier sur les projets financés par elle en RDC. Plusieurs choses que nous allons compter à faire dans la prochaine. Par exemple, avoir des réunions de plus en plus proof of account pour échanger comment faire avancer les vérifications non seulement des états financiers, mais aussi les audits de performance et aussi les audits de conformité. Parce que nous aussi, nous souhaiterons que la Cour joue vraiment son rôle comme établi dans la loi. Les interventions chirurgicales à cœur ouvert pratiquées sur les enfants souffrant des maladies cardiaques, il en était question dans la province de Katanga, précisément à Lubumbashi. Le centre médical Diamant, à travers ses médecins traitants, a effectué des opérations lourdes et majeures sur les enfants venus de plusieurs provinces de la République démocratique du Congo, dont le Nord Kivu et Kinshasa. Les détails avec Jacques Méji. Au total, 73 chirurgies cardiaques pédiatriques gratuites ont été réalisés avec succès au centre médical Diamant de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, en République démocratique du Congo. Les parents des enfants opérés louent l'initiative. Je suis arrivé ici le samedi. Dimanche, lundi, mardi, l'enfant a été opéré. Et vous voyez l'enfant maintenant est debout. Quand vous voyez cet enfant, vraiment c'est un miracle pour moi. J'étais toujours gênée en train de prier parce que l'opération me coûtait cher. Je n'avais pas les moyens pour ramener l'enfant ailleurs pour qu'elle puisse quand même subir l'opération. On n'a rien payé. C'est Myrène qui a sauvé les enfants du Congo, les enfants de Lubumbashi et particulièrement de Gloria. Maman, moi je ne sais pas si moi je peux te donner. Il n'y a que ce Dieu ici qui sait voir ton cœur. Et je demande aussi au gouvernement de la prier, de nous soutenir davantage pour que les enfants soient nombreux. La Fondation Centre Médical Diamant compte poursuivre ses opérations à cœur ouvert et sollicite l'implication du chef de l'État et président de la RDC.
Kinshasa, ville assainie dans les jours à venir, eh bien, c'est désormais envisageable. Le gouverneur de la ville, Jean Tiningobila, a conclu un partenariat avec Sebarak, entreprise turque spécialisée justement dans l'assainissement et recyclage des déchets plastiques. Les deux partenaires ont visité les lieux où se sera installé El Barak à Kinshasa. Edith Chala pour le commentaire. C'est ici, au garage TP situé sur la première rue limitée, que le groupe Al Bayrak sera installé. Des entrepôts modernes sont sortis de terre pour ce faire. Le gouverneur de la ville province Kinshasa, Jantini Ngoubilambaka, y a conduit la délégation de cette entreprise turque d'assainissement et de production d'énergie à partir de déchets plastiques pour une visite de terrain. Au terme d'une réunion de travail prélude au lancement de l'assainissement de Kinshasa, qui verra le projet commencer par le district de la Founa avant de s'étendre sur toute la ville, le gouverneur s'est montré confiant. Cette société a pris la ville d'Istanbul il y a quelques années, alors que cette ville puait un peu la saleté. Et il y avait des montants d'immondices dans cette ville et cette société a pu relever ces défis-là. Parce que nous avons pris Al Barak, tout simplement parce que cette société a déjà pignon sur rue en Afrique. Donc cette société a une expérience africaine avérée. Tout naturellement, le chef de l'exécutif provincial a remercié le gouvernement de la République, mais particulièrement le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour son implication dans la mobilisation de la garantie exigée par le groupe turc Al Bayrak avant le début du projet. Déjà, selon Ibrahim Karaka, chef de la délégation Al Bayrak, 200 engins sont déjà en route pour Kinshasa, en provenance de la Turquie, où ils sont fabriqués sur mesure, conformément aux dimensions des rues et des ruelles de Kinshasa. Mais ce communiqué de presse, le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe porte à la connaissance de tous les candidats conseillers communaux qui ont introduit une requête en contestation de la liste provisoire des candidatures des conseillers communaux publiés par la Commission électorale nationale indépendante qui organise des audiences pour y statuer le mardi 17 octobre 2023 à 9h dans ses salles d'audience. Ce communiqué tient lieu de notification faite à Kinshasa le 12 octobre 2023. Président du tribunal Kasundangeleka Charlie. En politique, les militants de l'UDPS Maluku ont été sensibilisés sur le processus électoral pendant cette période préélectorale. La présidente cellulaire de l'UDPS Massina 3 a appelé les habitants de cette partie de la capitale à se mettre en ordre de bataille pour les élections prochaines. Alain Bikay. À quelques jours des élections générales République démocratique du Congo, le train de redynamisation des activités du parti présidentiel a fait son entrée dans la commune de Maluku. À sa tête, la présidente cellulaire de l'UDPS Massina 3, Karine Tsoupi, pour manifester leur attachement au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les habitants de cette commune se sont mobilisés pour échanger avec l'envoyé politique du secrétaire général Augustin Kabuya. Dans une salle pleine à craquer, Karine Tsoupi a galvanisé l'assistance sur le processus électoral et les actions de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en faveur de la population. C'est dans cette optique que la présidente cellulaire de l'UDPS Massina 3 a demandé à la population de cette partie de la capitale à se mobiliser massivement le 20 décembre prochain lors des scrutins pour soutenir le développement. Pour ce faire, elle a appelé la gente féminine à soutenir les femmes à ces élections pour l'émergence d'un leadership féminin fort en République démocratique du Congo. Concernant les balivins du général déchu en cavale, Karine Tsoupi précise que John Numbi devait expliquer d'abord à l'opinion publique pourquoi il avait tué Chebea et les fidèles de Bundudia Congo dans le Congo central. Le 20 décembre prochain, nous devons montrer à la fin du monde que l'UDPS reste le parti le plus populaire de la République démocratique du Congo en faisant un choix judicieux pour la renaissance de la République démocratique du Congo. Dans le Kassai, les lauréats de l'examen d'État 2022-2023 ont reçu leur bourse des mains du premier vice-président du Sénat, Edi Mundela Kankou. Cette contribution significative est un soutien à la jeunesse de Kabeya Kamanga. Robert Ndaïtusis. Le premier vice-président du Sénat, honorable Edi Mundela Kankou, s'est rendu à Kabeya Kamanga pour communier avec les lauréats de l'examen d'État 2022-2023. Une messe d'action de grâce a été organisée à la paroisse Saint-Xavier de Kenakuna
à l'honneur de tous les lauréats de ce territoire. Messe terminée, repas de cœur partagé, place à la remise de prix aux lauréats ayant obtenu 70% à l'examen d'État. Le premier vice-président du Sénat a eu de mots justes pour conscientiser la jeunesse à faire plus, car l'avenir est entre leurs mains. Les bénéficiaires n'en reviennent pas et félicitent l'honorable Eddy Mundela pour ses gestes de générosité. Vous avez réussi à payer tous les frais de participation aux examens d'État, qui étaient une lourde charge qui pesait sur les épaules de nos parents. Sans flatterie ni complaisance, vous méritez de représenter valablement notre territoire. Nous, bénéficiaires de votre bourse, nous vous promettons de travailler durement afin de vous honorer pour que vos efforts ne soient pas vains et d'apporter les bons résultats pendant notre cursus académique. Cérémonie terminée, le premier vice-président du Sénat est allé s'imprégner des conditions d'accueil de 20 élèves des 4 secteurs du coin qu'il prend en charge. Sur place, le numéro 2 du Sénat est satisfait du rapport lui présenté. Il a remis une enveloppe importante pour subvenir aux besoins des internés. Les femmes de l'hôpital général de Kabea Kamwanga ont vu leur facture d'accouchement payée. Une table ronde nationale de plaidoyer sur l'enseignement de formation technique et professionnelle a ouvert ses portes ce vendredi 13 octobre 2023 dans l'enceinte de Don Bosco de Massina. Les détails avec Rodé Panda. Cette table ronde nationale des plaidoyers des jeunes sur l'enseignement de formation technique et professionnelle est un cadre d'échange bien trouvé pour permettre aux jeunes Congolais d'exprimer leurs préoccupations et formuler des recommandations sur les politiques et programmes adaptés à la formation technique et professionnelle en RDC. Cette réunion nationale, organisée dans l'enceinte de Don Bosco à Massina sans fil, a connu la participation des principales parties prenantes de ce secteur. Des questions clés relatives au manque de financement, les programmes devenus obsolètes et l'accès limité des formations de qualité sont des aspects qui ont de l'incidence sur la compétence des jeunes, l'entrepreneuriat et la croissance économique. C'est toute la problématique évoquée au cours de cette rencontre en vue de combattre la pauvreté des jeunes en leur permettant de bien compétir sur le marché de l'emploi avec une main-d'œuvre qualifiée. Cette réunion nationale se tient avec le concours de la SADEC, dont son expert en formation professionnelle et technique a développé quelques aspects. La formation professionnelle dans notre pays n'attire pas trop de jeunes. Vous avez entendu ce que le père a dit. Nous sommes à Kinshasa, Tchango, c'est-à-dire Massina, et une forte concentration de la population. Mais pour la formation professionnelle, nous n'avons que 120 candidats. Et il faut aussi que les amis des Salésiens de l'Ondom Bosco puissent aussi s'ouvrir au monde extérieur. Les directeurs chargés de l'enseignement technique et professionnel, représentants de la ministre, rassure l'appui du gouvernement. Au cours de ces travaux organisés par le père de Don Bosco, ont permis à ce que nous puissions voir comment est-ce qu'on peut mener la politique d'organisation de la formation professionnelle en République démocratique du Congo, afin de permettre à notre pays d'être doté d'une main-d'œuvre qualifiée, compétente et compétitive. Parmi les objectifs à atteindre, il faut rassembler les parties prenantes, sensibiliser sur l'importance de l'enseignement technique et professionnel et identifier les défis et les opportunités. Et pour finir, prenons cette double cérémonie à l'Institut supérieur pédagogique d'Idiofa. Il s'agit de la clôture de l'année académique 2022-2023 et la collation des grades académiques. Au total, 322 lauréats ont été versés sur le marché de l'emploi. Les détails avec Elion Jatassa. Académique 2022-2023, l'Institut supérieur pédagogique d'emploi a livré sur le marché scientifique et de l'emploi 322 lauréats. La cérémonie s'est déroulée au camp Kaki de l'ISP Idiofa en présence de l'administrateur du territoire à qui a été réservé le privilège de remettre les diplômes aux lauréats issus des différentes filières. Plusieurs autorités ont participé à cette cérémonie de collation des grades, doublée de la clôture de l'année académique, dont le directeur provincial de l'EPST, Kouilou III. Occasion pour le directeur général de l'ISP Idiofa, le docteur Kouy Obor Théodore, de remercier grandement Madame le DG de la Radio-Télévision Nationale Congolaise pour la visibilité de son institution. Nous soutenons ton excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mouyindou Nzangi, pour avoir continué
à faire confiance à notre comité de gestion. Nous soutenons RTNC à travers Madame la DG Sylvie Elenga Niembo pour la visibilité de l'ISP Idiofa. Plusieurs filières sont organisées dans cet établissement d'enseignement supérieur universitaire, à savoir l'anglais culture africaine, le français latin, histoire sciences sociales, les sciences commerciales, l'informatique de gestion, l'orientation scolaire et professionnelle, la gestion administrative de l'institution de l'information, des institutions de formation, la biologie chimie, la maths physique et la maths informatique. En sport, pour finir, la République démocratique du Congo a fait un match nul en Espagne contre la Nouvelle-Zélande en match amical. Une réalisation signée Cédric Bakambu à la 46e minute pour la République démocratique du Congo et Wood à la 91e minute pour la Nouvelle-Zélande. Le deuxième match des Léopards aura lieu ce mardi contre l'Angola à Lisbonne au Portugal. Et les Léopards de la République démocratique du Congo évolueront dans le groupe F lors de la CAN de football prévue en janvier prochain en Côte d'Ivoire avec comme adversaires le Maroc, la Zambie et la Tanzanie. Le tirage au sort a eu lieu hier à Abidjan. Le ministre des Sports et Loisirs, Kaboulo Mona Kaboulo, et qui se trouve en Espagne, estime que la République démocratique du Congo a toutes ses chances. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Paris, en France et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur RTNT. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. J'ai mis Mamogo. Très bonne suite au programme sur la chaîne nationale. Au revoir.